l'hippodrome de Chantilly. Bonjour à tout le monde pour la 170e édition du prix de Diane qui va couronner dans deux heures à peu près la meilleure pouliche de 3 ans. Mais le prix Diane, ce n'est pas seulement le sacre de la meilleure pouliche de 3 ans, c'est bien plus, c'est the place to be, c'est le rendez-vous de l'élégance. Au-dessus du rond de présentation. Pour ce qui est des conditions, elles sont parfaites, elles sont plutôt rapides au niveau de la piste. Le terrain est à 3-4, donc annoncé bon souffle. On a déjà vu 3 courses aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. On a vu que les chevaux pouvaient venir gagner en pleine piste, à la corde, un petit peu partout. C'est une bonne chose. Christophe Soumillon n'a pas peur du terrain, peu importe le terrain pour Sierra Fina. Il espère juste avoir un bon parcours. Et on va attaquer dans le vif du sujet pour ce prix de Diane, parce qu'on est déjà dans le protocole et dans la présentation des jockeys ici dans le rond de présentation. Le rond de présentation, Jérôme, vous le constatez, a été pris d'assaut. Il n'y a plus une place pour regarder, pour scruter du regard les pouliches de ce prix de Diane Longines, 170e édition du nom. Nous sommes à 3-4 minutes à peu près du départ de ce prix Diane Longines. La casaque du prince Agacan et le prix de Diane, c'est une longue histoire. C'est 7 victoires dans cette compétition. Alors, Sierra Fina est-elle la super championne? Et les pouliches qui s'élancent pour le prix de Diane Longines. Sous les acclamations du public, 2100 mètres à parcourir pour ces pouliches de 3 ans. Platane qui a les commandes, Vandermeent à son extérieur avec Cartienne numéro 8 qui est en 3e position. Chanel est 4e et vient avec le numéro 11 Amarena, où est la grandissime favorite, numéro 3 Sierra Fina. Elle est pour l'instant casaque verte et poulette rouge au centre du peloton et vient devant le numéro 10 Callatarida, alors que Grande Glory est dans son dos devant Untitled. Au 11 Amarena qui vient maintenant à l'extérieur. On retrouve également le numéro 5 Nocha qui vient à l'intérieur accompagné par Comin que Sierra Fina qui essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur. Chanel qui a très longtemps patienté, décalé à l'instant par Pierre-Charles Boudot, qui va maintenant lancer la pouliche au centre avec Chanel de mieux en mieux accompagné par Vandermeent, avec Cartier Platane également à l'extérieur. Noursara, Sierra Fina également essaie de se rapprocher. Chanel qui a pris l'avantage à l'extérieur, comme maintenant de mieux en mieux, ainsi que Callatarida et Sierra Fina qui allonge maintenant ses foulées complètement en dehors. Grande Glory également qui vient. Chanel pour la victoire avec Combe. Chanel qui repart devant Combe. Chanel Combe pour la victoire. Il y aura photographie pour le succès dans ce prix de Diane. Chanel ou Combe? Chanel qui a toujours le meilleur côté corde, Combe à son extérieur. Et c'est fait pour Chanel qui s'impose. J'ai pas toujours eu de chance dans ces courses-là. Voilà, aujourd'hui c'était une course très tactique. On s'impose du minimum. On a la pouliche, on sait qu'elle était très maniable. Et on en a profité, voilà, Francis m'a mis en confiance avant la course. Et le fait de ne pas prendre de coups à cette place-là, c'était juste un rêve. Elle sort du commun parce qu'elle avait quand même très peu de... Putain. Merci. C'est magnifique. Regardez. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh le bordel, il n'y en a pas. Non, c'est incroyable. Franchement, d'habitude, je crie beaucoup dans la ligne droite. Et là, j'étais dans mes jumelles et je buvais du petit lait. Je trouvais Pierre-Charles, c'était un rêve, quoi. On essayait de mettre plein de tactiques en route, ça sert à rien. L'intérêt, c'est que cette jument-là était hyper facile à monter et ça s'est encore révélé. C'est génial, c'est vraiment génial. Et je fais un coucou à tout le monde qui m'envoie des messages. Ah, c'est beau, putain. Bravo, c'est chouette. Elle s'appelle comme ça parce que le propriétaire, qui est un investisseur assez jeune, revenait de l'hippodrome de Royal Ascot. Il cherchait un nom pour la pouliche et il a pris le tunnel tout simplement en revenant de Royal Ascot. Et il a eu marqué Chanel. Il a dit, bah, écoutez, ça sera magnifique
pour le yearling que j'ai. Ça fait depuis 2017 et là j'ai deux chevaux à l'entraînement. Donc voilà. En deux ans avec deux chevaux, ça commence très bien. C'est bien, non ? C'est pas mal. Moi, je veux faire exactement les mêmes choses. Qu'on est content de deux pouliches qui ont vraiment montré qu'elles avaient le niveau. Elle a fait tout bien, la pouliche. Elle a fait un merveilleux parcours. La seule chose, c'est qu'elle est restée justement derrière Serafina, qui n'a pas avancé pour finir. Pour moi, c'est déjà une victoire. On a une super course. Elle est venue très facilement. Malheureusement, elle n'a pas prolongé.